Chers amis, à quelques heures de sa passion, dans une longue prière adressée à son Père, Jésus récapitule l'ensemble de sa vie, comme s'il en faisait la relecture. Il exprime ce qui a constitué le ressort profond et permanent de sa vie donnée, de sa vie livrée, l'accomplissement de l'œuvre du Père. Après l'écoute de cet évangile, je souhaite évoquer avec vous un mot souvent mal compris et une expression prononcée par Jésus dès sa première phrase. Le mot « gloire », l'expression « la vie éternelle ». D'abord le mot « gloire ». C'est le dernier soir de Jésus et quelques heures donc avant sa mort sur la croix, il prie. « Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Surprenante gloire de Dieu. En hébreu, la gloire signifie le poids. Poids d'une vie qui tient face aux puissances de mort et de vanité. Et c'est sur le visage de l'homme que resplendit la gloire de Dieu. On pourrait parler du visage humain, ce côté pile de la face de Dieu. À Lyon, Saint Irénée, le proclamait déjà vers l'an 200. Écoutez-le. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. Avouez que cette phrase est magnifique. L'homme vivant, libre de voir Dieu et de l'aimer en tout frère humain. Au cœur de nos détresses, Dieu offre la gloire de sa vie pour nous rendre vivants et pour que, à notre tour, nous fassions vivre les autres. Vivre, nous le savons, c'est mystérieusement traverser la souffrance, non pas la rechercher, bien sûr, mais l'affronter, car les pouvoirs de mort attaquent jalousement la vie que Dieu donne. Aux rejetés et aux méprisés, aux malades et aux pécheurs, Jésus redonne son poids de vie, son poids d'éternité, lui faisant partager sa palme de mort et de résurrection. La gloire de Dieu, c'est son poids d'amour qui nous fait vivre. Les anges de Noël nous le rappellent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La gloire. Évoquons maintenant cette expression « la vie éternelle ». À vrai dire, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est quand même une expression qui revient dans la catéchèse, dans la prédication. Frères et sœurs qui m'écoutez, êtes-vous déjà entré dans la vie éternelle? Vous allez probablement me répondre que non, en pensant que sinon vous ne seriez pas là à m'écouter. Et pourtant, écoutez la définition qu'en donne Jésus. Je cite, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Apprendre à connaître Dieu et le Christ, c'est la démarche de foi, c'est un chemin toujours à parcourir. Si la vie éternelle, c'est connaître Dieu, alors serions-nous déjà tous entrés dans la vie éternelle? La tradition chrétienne évoque le baptême comme le bain de la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'entrée dans une vie nouvelle. C'est ce à quoi vous aspirez, vous les catéchumènes qui m'écoutez. Bientôt, j'espère, vous serez plongés dans ce bain de la nouvelle naissance. Je m'en réjouis tellement avec vous. Une nouvelle naissance qui déjà nous fait goûter la joie de la vie éternelle, même si nous n'y entrons pas encore pleinement. À toutes les époques, dans toutes les traditions religieuses, l'être humain est habité par ce désir d'éternité. Ce désir qu'il cherche profondément et dont il aimerait comprendre le sens. Pour les chrétiens, la joie de la vie éternelle, c'est de connaître le Christ qui nous donne à voir le Père. Et c'est une connaissance relationnelle et pas du tout une connaissance théorique. Vous le savez, on ne connaît vraiment les gens que quand on passe du temps avec eux, quand on apprend à découvrir petit à petit leur caractère, ce qui les rend joyeux, ce qui les attriste. Je dirais même que c'est en aimant les gens qu'on les connaît le mieux, parce qu'on apprend à découvrir
ce qui habite leur cœur. La vie éternelle, c'est la relation à Dieu, une relation aimante où on apprend à le connaître. Quand deux amoureux se regardent les yeux dans les yeux, ils ont l'impression de sonder l'autre au plus profond, et le temps s'arrête pour eux. Rien n'existe plus autour d'eux. Petit avant-goût de ce que doit être la vie éternelle. Et la tradition biblique dit d'ailleurs qu'un jour, nous verrons Dieu face à face. La vie éternelle est déjà née en nous, mais elle est encore une petite flamme fragile qui risque de s'éteindre. Elle peut rester en nous comme une petite flamme vacillante, une vague lueur, mais elle peut devenir aussi en nous comme un feu dévorant. À nous d'entretenir cette flamme. Comment ? Il s'agit d'une relation, d'une amitié avec Dieu à faire grandir. Tout ce qui nourrit notre intimité avec Dieu fait grandir cette flamme. Et je trouve très forte et très belle cette intimité avec le Père qui se ressent dans tous les mots de la prière du Christ. Écoutez, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Jésus est celui qui connaît vraiment le Père parce qu'il vit pleinement de son amour dans cette intimité. L'heure est venue, dit Jésus, l'heure de connaître Dieu. Trop souvent, nous croyons que cette heure sera celle de notre mort, mais non, la vie éternelle est déjà commencée. L'heure est venue, et c'est maintenant d'accueillir ce que Jésus nous partage. Écoutez, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, dit-il dans sa prière à son Père. Oui, Jésus nous fait connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Oh, notre monde nous propose tant d'idoles qui se nourrissent de l'argent, du désir de consommer ou tout simplement de s'échapper, de fuir. Tant de fausses images de Dieu véhiculées par la haine et les fondamentalismes. Alors ne nous laissons pas leurrer. L'heure est venue, chers amis, de connaître le vrai Dieu. Et cette heure a déjà pour nous un goût d'éternité, car elle se nourrit de la relation d'amitié avec Dieu. Amen.